Mawu maduto vinovi emajivye matinda weto. Mawu maduto vinovi emajivye matinda weto. Wiropo no we imawu, wiropo no we dagbelo. Bo soda logo nagbelo, soda logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Amis téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une nouvelle fois sur notre émission L'Aube Naissante. La semaine dernière, avec mes mêmes invités, nous avions parlé du respect du bien public. Aujourd'hui, nous avons trouvé pour vous un sujet tout aussi intéressant, celui de l'héritage, l'islam et l'héritage. Donc, je représente mes invités. Je sais, c'est le missionnaire de missionnaire Hassan Yaya de Komé. Missionnaire, bon arrivé sur le plateau de l'Aube Naissante. Merci. Le missionnaire Zagaria de Boycon, c'est ça, hein? Ok, missionnaire, bon arrivé sur le plateau de l'Aube Naissance. Ça va, cool. Aujourd'hui, comme nous le savons, le thème c'est l'héritage et l'islam. Donc, mais avant qu'on ne commence, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous définir, pour qu'on puisse savoir notre champ d'action, quelle est la définition de l'héritage. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'héritage de façon succincte? Merci beaucoup. Oui. Quand on parle de l'héritage, selon le dictionnaire, l'héritage, c'est l'ensemble de biens acquis ou transmis par la voie de succession. Voie de succession. Oui. D'accord. Après la mort du quelqu'un qui détenait quelque chose, soit il a acheté, soit il a eu d'une certaine manière, mais ces biens-là, il faudrait que, après sa mort, puisqu'il n'est plus là pour jouir de ces biens, ou bien puisqu'il n'est plus là pour faire fructifier, ou bien il n'est plus là pour pouvoir surveiller encore, pour chercher le développement de ces biens, alors ces biens-là doivent être confiés à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qu'on appelle l'héritage. Donc un héritier, il prend ses biens et il commence par jouir ça à la place propriété. Monsieur Zagaria, monsieur Sam, si on est d'accord sur le phénomène, sur la définition, ou bien vous avez quelque chose à ajouter? Non, sur la définition, c'est bon. J'aimerais seulement vous dire que l'héritage, quand on dit l'héritage, l'héritage, c'est tous les biens comme les terrains, c'est comme les champs de palmeraies, c'est comme des voitures, des véhicules que la personne a laissés, ces maisons qu'il a construites en étage ou bien des maisons simples qu'il a. Il a beaucoup de choses dans l'héritage. Quand on parle de l'héritage, ça parle de tous ces biens. Okay. Donc, l'héritage, ce n'est pas seulement les terrains, ce n'est pas seulement les maisons, parce que les gens qui sont dans la ville et les gens qui sont dans le village, il y a une différence. Il y a les champs d'Anaka, les champs d'ananas, des trucs comme ça. Donc, ceux qui ont ceci, donc, ils vont laisser ces trucs-là pour le bien, c'est-à-dire pour le profit de leurs enfants. Oui. Parce qu'ils meurent, ils laissent ces trucs, et puis les enfants, après, profitent. Ah, monsieur, donc, celui qui a une mosquée, il a une mosquée, après sa mort, comment? Non, monsieur, nous parlons de l'islam. Est-ce que la mosquée revient parmi sa succession? Ça revient comme un étage ou bien? Non. La mosquée est bien avant sa mort donnée. Oui. Il a déjà donné. Donc, il a déjà légué ceci. Voilà. Ça rentre dans le cadre. Il a déjà légué à Dieu. Voilà. Ok, d'accord. Donc ça devient la propriété de Dieu. Enfants, alors. Bien sûr que les enfants étaient présents ou bien ils ont déjà témoigné. D'accord. Ok, monsieur Nzab, les ayants droit, c'est qui? Qui sont ceux qui ont droit à l'héritage? Parce que ça aussi, ça fait beaucoup de... Quand on parle des ayants droit, il y a d'abord la famille proche, c'est-à-dire les enfants, les garçons, les filles, et puis les oncles, les tantes, les cousins, et puis la famille un peu large. Donc, tout ça là, c'est ceux-ci qui doivent devenir des héritiers de la personne qui est morte. Et toute la famille alors? Donc, toute la famille doit bénéficier de ce que la personne a légué, de ce que la personne a laissé. D'accord, monsieur Jean, par rapport... Bon, nous ne pouvons pas parler de l'héritage et du partage, c'est-à-dire de l'héritage, sans se référer au Coran. Ok. Hein? C'est ce que le Coran dit que nous allons essayer de lire aux gens afin de pouvoir faire truc. Ça, c'est très important.
Et le Coran nous a dit « A'ouz billahi minash shaitani rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim ». J'aime aller directement en français pour économiser, permettre à tout le monde de comprendre. Oui. Allah vous ordonne au sujet de vos enfants, d'un garçon aura autant que la part de deux filles. Un garçon aura autant que la part. Là, il y a une discrimination, monsieur Jean. Vous ne voyez pas qu'il y a une discrimination. Ça veut dire que si on donne à la femme une part et pour l'homme, deux parts de la femme, bon, ça conforte ceux qui disent que l'islam a laissé une place de choix à l'homme. Il n'y a pas une discrimination. Mm-hmm. Dieu est le meilleur, c'est le plus sage. Okay. C'est que la raison pour laquelle Dieu a dit ceci est que même si nous allons plus loin, nous allons voir que la femme gagne même plus que l'homme. Ah bon? Oui, puisque... D'accord, ok. On va laisser alors, on vous a montré ça après, on va laisser alors monsieur continuer. Ok, donc, on a compris que c'est les enfants d'abord. Oui, c'est les enfants. Oui. Mais, il s'agit de filles plus de deux, alors elles auront deux tiers de ce que laissera le défunt. Si ce n'est que des filles, les filles auront plus la moitié. Deux, alors, elles auront deux tiers. Deux tiers, ok, voilà. De ce que laissera le défunt. Okay. Et s'il n'y a qu'une seule fille, elle aura la moitié de l'héritage. Okay. Vous voyez? Et le père et la mère du défunt auront chacun le sixième de ce qu'il laisse. Okay. S'il a un enfant. Okay. Mais s'il est sans enfant et que ses parents sont les héritiers, alors sa mère aura un tiers. Okay. La maman, ça dit, la maman de celui-là, du défunt-là, aura un tiers. Oui. Et s'il a des frères et des soeurs, alors sa mère aura un sixième, après paiement de toute l'aide qu'il aura pu faire ou de dettes. D'accord. Et de vos, ascendants ou de vos enfants, vous ne savez pas lequel vous fait le plus le bien. D'accord. Vous voyez, d'accord. Cette ordonnance émane d'Allah, assurément. Allah est omniscient, sage. Donc, si on doit résumer ce verset, tout ceci, monsieur Sam. Donc, on peut citer, il y a des enfants, filles comme garçons. D'accord. Garçon. Ensuite, il y a la maman du défunt, ou le père du défunt. Père, et ensuite, les tantes, les cousins, toute la famille en ressort. Mais le verset n'a pas parlé de tante. Hein. Ce que moi je veux, parce qu'il y a d'autres versets qui ont parlé. Okay. Ce que j'aimerais dire par rapport à ceci, puisque vous avez parlé de la discrimination ou bien l'injustice à l'égard des hommes et des femmes. En réalité, la femme, quand elle hérite de son papa, tout comme les garçons qui héritent du même papa, la femme ne s'arrête pas là. La femme va encore hériter de son mari. Ok, de l'autre côté. De l'autre côté, après, parce qu'elle va se marier. Si elle est mariée, Elle va hériter de son mari. Mm-hmm. Et il arrive parfois où, quand on fait le partage, parce qu'elle a hérité de son papa, ajoutant à ce qu'elle a encore hérité de son mari, de sa belle-famille, ça dépasse même ce que le garçon a reçu ici. D'accord, donc, ok. Il n'y a pas de discrimination. Dieu connaît la façon dont il a fait ça. D'accord. Ce que nous devons souligner ici est qu'il y a certaines familles où même le droit à l'héritage de la fille ne se donne pas. On ne partage même pas d'héritage à la fille. Mais donc ça, c'est pas... Ça, là, c'est qu'on doit condamner. Et le Coran a bien dit que la fille a droit à l'héritage. Et elle doit avoir une part de ce que son papa lui a laissé et avoir aussi une part de ce que son mari a laissé. Oui. Ok. Donc, mais là, comment expliquez-vous alors à la mort des défunts? Comment expliquez-vous les conflits qui naissent toujours à la... Parce qu'il y a trop de conflits actuellement au niveau des tribunaux ou bien au niveau des sages familles, au niveau des familles. Ça ne va pas souvent. Comment expliquez-vous ce problème de conflits entre les héritiers après la mort du défunt? Ce problème, c'est surtout le problème de, modification du testament. Le testament? Oui. D'accord. Ce que le défunt a dit, comment ça doit être fait, comment les choses doivent être faites, on modifie ça, on ne suit pas. Ça, c'est un. Le deuxième point, c'est que il y a certains qui se soulèvent dans la famille par force à vouloir s'accaparer des biens de celui qui est mort. Mm-hmm.
Donc ça aussi, ça amène des frustrations. Et aussi, il y a certaines familles qui ne connaissent pas aussi les voies juridiques pour pouvoir élaborer comment ils vont passer pour pouvoir bien partager les choses comme cela se doit. Donc il y a d'autres qui s'imposent. Parmi les héritiers? Parmi les héritiers, la famille. La famille, peut-être les oncles, la personne n'est plus là, et un oncle s'impose. Un oncle qui n'a peut-être pas droit à l'héritage. Qui n'a pas droit peut-être à l'héritage, qui s'impose pour dire que non, c'est comme ça que vous devez faire. Ou bien, parce que là, le mari est décédé, il a laissé une femme. Oui, oui. Et cette femme-là, elle n'a pas encore d'enfant qui est âgé. Donc, n'ayant pas d'enfant qui est âgé, il y a quelqu'un qui est là, qui de la famille, on a dit bon, la dame là doit, tu dois l'épouser pour pouvoir supporter l'orphelin. Donc tout ça amène des problèmes et en fin de compte c'est des bagarres, c'est des mésententes qui arrivent au sein des familles. Donc c'est la mauvaise gestion des biens de l'héritage qui fait que les... Monsieur Sapp, qu'est-ce que par rapport à ce problème précis de conflits qui naissent, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, moi, je dis toujours que je vais essayer de revoir, c'est-à-dire de citer les versets du Saint-Coran pour voir faire truc. Oui. Vous savez, avant la mort de la personne, il a déjà fait peut-être un testament. Pour sur le testament, on va revenir sur ça. Ok. On va revenir sur le testament. Hein. C'est parce qu'il y a le non-respect de ceci que les problèmes surgissent. Maintenant, qu'est-ce que... parce qu'il y a beaucoup de choses que Allah a dit dans le Saint-Coran. Maintenant, on fait ces trucs... C'est-à-dire, les problèmes surgissent. Pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que l'orphelin est quelqu'un qui doit être respecté. Et on doit avoir la crainte de Dieu pour le faire. Okay. La gestion des orphelins, c'est ça Allah a parlé de ceci. C'est de ça qu'Allah a parlé dans ces versets, par exemple. D'accord. Maintenant, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, effectivement, comme l'a dit le missionnaire Yahya tout à l'heure, il disait que, franchement, les gens ils vont croire. Ah, en épousant cette femme, je vais c'est juste pour s'accaparer des biens de ces orphelins. D'accord. Que ces gens-là, ils cherchent ces moyens. Donc, en ce moment, c'est le non-respect aussi de ce qui est là. Donc, c'est ça qui amène beaucoup de problèmes. Donc, moi, je crois que... je ne sais pas si... Okay. Allez-y. Sinon, on parle du testament. Oui. De la spécificité du testament. Oui. Parce que vous avez lu dans le verset qui précédent que... Si le défunt a laissé un testament, en fait, c'est quoi le testament? Le testament, c'est le fait d'enregistrer tout ce que vous avez en possession avant que la mort n'arrive et vous laissez ça. En fait, là, une liste exhaustive de tout ce qui vous appartenait. D'accord. Okay. Parce qu'il faut, il faut le souligner. Quand on parle de testament, il faut savoir que peut-être la personne a des dettes. D'accord. Donc, c'est dans ces biens qu'il faut payer les dettes. Okay. C'est la première des choses. Parce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois quand il y a un décès, il demande, avant d'aller prier sur le corps-là, est-ce qu'il a des dettes? Est-ce que le défunt a des dettes à payer? D'accord. Parce que c'est la première des choses. Ça. Et ça va le suivre jusqu'à l'au-delà. Donc, il faudrait régler ces dettes-là. Et c'est après ça maintenant, s'il y a des legs, c'est-à-dire que les biens que la personne a voulu dédier à certaines personnes qui ne sont pas de la famille. Qui ne sont pas forcément ayant droit. Ok, d'accord. Okay. Donc, ces legs-là, il faudrait, ils vont essayer d'enlever ces choses-là. Maintenant, le reste, c'est ce reste-là maintenant qu'il faut maintenant commencer à partager à la famille, aux enfants, et puis ensuite, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le partage... Le point que le missionnaire a souligné par rapport au conflit. Le Saint-Coran a parlé de ces versets-là. Allez-y, parce que... Oui. Mais on reviendra tout de suite sur le problème du testament, parce qu'il y a encore d'autres questions. Allez-y. Le Coran nous dit, mais celui qui le modifie, c'est-à-dire le testament, voilà, après l'avoir écouté, le péché de cette action retombera assurément sur ceux qui le modifient. Assurément, Allah entend tout et c'est tout. Okay. Toutefois, celui qui craint un parti pris ou une injustice de la part d'un testateur et qui réconcilie les parties en cause n'aura commis aucun péché. Assurément, Allah est celui qui est très pardonnant, miséricordieux. Donc, lorsque nous voyons ici, il est déjà ces problèmes qui amènent souvent les conflits.
C'est d'abord le non-respect des souhaits ou des vœux du défunt. Personne, d'accord, c'est ça qui amène souvent. Ok. Mais quand il y a des conflits, s'il y a des gens qui se portent garant pour régler les conflits, c'est une bonne chose. D'accord, que ça. Maintenant, revenons au. Oui, monsieur, vous voulez ajouter quelque chose? Revenons au niveau des testaments. Oui. Est-ce que. Comment ça se fait? Il faut comprendre. Comment ça se fait? Est-ce qu'il faut forcément passer par la loi du pays, un notaire, ou bien. Parce qu'il y avait un temps chez nous des discussions comme ça. Comment il fait le testament? Est-ce que c'est juste un papier qu'il laisse à l'imam? Hein, ou bien. Est-ce que forcément il faut aller au niveau du tribunal? Ou bien comment ça va se faire? Il y a deux formes de façon de gérer les affaires de l'héritage. Soit on passe par la voie de la législation, c'est-à-dire que la justice, l'huissier et tous ceux qui sont dans ce cheminement-là, ou bien on passe par la voie du consensus de la famille. Pour la voie du consensus de la famille, voilà les ordonnances du Saint-Coran que nous avons lues tout à l'heure. Donc là, la famille s'entend, les parents s'entendent et ensemble, ils vont essayer de pouvoir partager les biens là entre eux et il n'y aura pas de problème. Mais s'il n'y a pas, ça est que la personne qui est décédée, elle a vu que certainement il y aura des problèmes. Et ces problèmes-là, il faudrait que l'État tranche ces affaires-là. Là, le testament sera donné, non pas à l'imam, mais il faut maintenant aller vers un huissier. Et puis, on confie la responsabilité de la gestion du partage de l'héritage à ceux-là qui ont droit à pouvoir faire le partage pour qu'il n'y ait pas de problème dans la famille. Bien sûr. Parce que je voulais... Il faut que les auditeurs nous suivent correctement, les téléspectateurs. Oui. Pour l'héritage, donc il faut passer par l'huissier, il faut passer par les règles du pays. Les règles du pays. Donc, nous avons... Les règles du pays, nous avons la justice, nous avons les huissiers, nous avons les avocats, nous avons. Mais au cas où c'est difficile d'avoir assez, ou bien si la personne est peut-être très loin, parce que vous savez, avec les moyens aujourd'hui, quelqu'un qui a, maintenant, vite, je dis n'importe quoi, pour ceux qui connaissent le Bénin, qui est à 400 km de Cotonou, quel autre moyen l'islam lui offre pour pouvoir sauvegarder ses, ou bien pouvoir élaborer ce testament? C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il y a deux voies. Oui. Soit on passe par la voie du consensus, c'est-à-dire la voie de la famille. Okay. La famille s'entend pour pouvoir régler l'affaire là, entre eux, pour qu'il n'y ait pas de problème. Ça, c'est la voie de l'imam, les sages, et puis là, on partage les biens de la personne et il n'y a aucun problème là. Ou bien, la personne qui sait que il y aura des problèmes, alors il va voir les autorités, de la place, la justice, les huissiers et autres, pour pouvoir régler ça entre eux. Oui, monsieur ça. Oui, c'est ça. J'aimerais seulement citer le verset qui parle de du testament. Allah, le Tout-Puissant, dit « A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il vous est prescrit à l'approche de la mort, si l'un d'entre vous a des biens à léguer, qu'il fasse un testament en règle en faveur des parents et de sa famille proche. Ceci est une obligation pour ceux qui craignent Allah. » Donc, c'est ça. Il faut essayer de faire ceci en faisant appel à un notaire. Un notaire, et lui, il vient, c'est-à-dire, il va essayer de... Il a tel bien. Il note tout, et puis il n'y a pas de problème. Un peut être aussi loin et faire appel aussi à un notaire. Mais est-ce que le cas du notaire... Est-ce que si parfois dans le pays, les réglementations prévues par le notaire sont en contradiction avec ce que dit le Saint-Coran, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Le Coran ne nous refuse pas de ne pas suivre la loi du pays. Non, vous avez dit plus haut que la part d'une femme est la moitié de la part d'un homme. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Si. Mais au Bénin, ce n'est pas, à ce que je sais, ce n'est pas comme ça. L'homme et la femme, on ne les même pas. Oui, parce que l'État, c'est la justice. Oui, dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas suivre ce que l'État va vous faire, alors là, vous retournez à ce que les religieux vont faire. La loi de Dieu, c'est ce que Dieu a recommandé. C'est la loi spirituelle, ça. Maintenant, si vous n'avez pas la foi, parce que c'est une affaire de foi dans la religion, si vous n'avez pas cette voie-là pour suivre ce que Dieu a recommandé de faire, alors allez-y,
passer par la justice ou bien les autorités compétentes qui peuvent vous. Absolument. Et puis si, peut-être par hasard, tous les enfants ne sont pas des musulmans, comment ils vont se soumettre à la loi islamique? Okay. Tous les enfants ne sont pas des musulmans, donc il faut se référer à la justice. Alors, c'est ça. Parce qu'ils ne vont pas accepter. Et puisqu'ils ne croient pas à Allah, ils ne vont pas croire aussi à sa parole, c'est-à-dire qui est le Saint-Coran. Donc, comme ça, il y aura beaucoup de problèmes, il y aura de conflits. Que c'est comme si on est en train de les contraindre à une loi à laquelle ils ne croient pas. Vous voyez, non? Okay. Donc là, il faut se référer carrément à la justice qui va trancher. Mmh. Et si la justice tranche, la justice ne regarde pas la religion. Il tranche selon elle, et puis ça passe. Maintenant, par contre, si tous les enfants sont des croyants, musulmans, et surtout dans un état islamique, là, ils vont se référer facilement et puis ils vont se conformer à la prescription divine, et puis le problème ne se pose pas. Mais la foi, comme l'a dit le missionnaire tout à l'heure, la foi ne s'impose pas. S'ils ont tous une même et seule foi, c'est-à-dire ils croient tous au Saint-Coran, et puis personne ne les force en ce moment, là, il n'y en aura pas de problème. Vous savez, le Saint-Coran est le livre sacré qui a détaillé comment l'héritage doit être partagé. Sinon, en dehors des autres livres sacrés, on n'a pas vu un livre qui a détaillé ça. De façon aussi claire. D'accord. On n'a pas vu. Mais si eux tous, ils n'ont pas les mêmes visions, dans la famille, d'autres sont d'autres fois, et puis ils ne s'entendent pas sur le problème de l'héritage des biens laissés par les parents, alors là, ils n'ont qu'à essayer de prendre les autorités de la place pour pouvoir régler cette affaire d'héritage à leur niveau. Donc, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais souligner, est que parfois, il y a ces biens-là que des gens, la famille laisse, ou bien les parents, le défunt, il meurt, il laisse. Et les gens rentrent dedans et commencent par manger ou bien dévorent ça à leur manière. Et qu'est-ce que le Coran nous dit par rapport à ça? Le Saint-Coran nous dit, assurément, ceux qui dévorent injustement les biens des orphelins n'avalent que du feu dans leur ventre et ils brûleront dans une fournaise. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas droit à l'héritage, mais qui en prennent une partie de l'héritage, c'est ça? Ou bien ceux qui sont chargés de garder l'héritage. Qui mangent les biens laissés aux orphelins. Ce que le papa ou bien la maman a laissé à ses enfants. Vous avez pris ça, vous êtes accaparé de ça, pour dévorer ça, pour manger ça. Vous êtes en train de remplir votre ventre du feu. C'est ce que Dieu me dit. Ok. Donc, cela signifie qu'il faut faire beaucoup attention au bien de l'orphelin. Parce que l'orphelin, si ses parents étaient encore vivants, c'est eux qui vont prendre en charge ces biens-là. Mais la personne, son papa est décédé alors qu'il était encore enfant. Donc, le Saint-Coran a tellement élaboré ça en disant que si vous êtes le gardien de l'héritage d'un enfant et que ses parents sont décédés, vous devez faire tout possible pour protéger l'enfant-là jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la conscience ou bien l'âge de raison. Et là, vous lui donnez l'héritage de ses parents qu'on lui a laissé. Mais si vous prenez ça et que vous pensez que le papa est déjà parti, il n'y a plus personne pour me contrôler, j'ai droit à manger le bien de... Vous êtes en train de manger le feu. D'accord. Donc, par rapport à ceci, le Coran nous met en garde. Il a dit dans la sourate Fajr, c'est-à-dire Coran chapitre 89, verset 18 à 21, Allah le Tout-Puissant nous dit, non, mais vous n'honorez pas l'orphelin. Vous n'honorez pas l'orphelin. Et vous ne vous exhortez pas les uns les autres à nourrir les pauvres. Vous voyez? Et vous dévorez complètement l'héritage d'autrui. Et si vous aimez les richesses d'un amour excessif. Vous voyez? Donc, et là, c'est-à-dire que, et Allah dit, non, mais lorsque la terre sera complètement broyée, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ici, les gens n'honorent pas, ils n'honorent pas les orphelins comme cela se doit, et puis ils s'accaparent de leurs biens.
ils s'accaparent de leurs biens. Mmh. Et puis, quand, parce qu'ils ne doivent pas profiter parce qu'ils ne sont pas des héritiers. Et okay. en ce moment, mmh. ils ne profitent pas d'autres moyens. Ouais. Ils cherchent des moyens. Mmh. Peut-être en épousant, mmh. c'est-à-dire les veuves, mmh. peut-être en disant non, nous allons nous occuper mmh. De ces orphelins, mmh. non, nous allons les aider, ceci, cela. Et puis, ils profitent mmh. maintenant pour s'accaparer, c'est-à-dire pour détruire, pour vendre des terrains, des palmerins, mmh. et ainsi de suite. Là, c'est illicite. Mmh. Le Coran dit non, attention. Donc, d'accord. et là, on est en train de manger du feu. Et là, Allah va régler le compte de ceux-ci. D'accord. Donc, on en fait très, très attention. Vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, le Saint-Coran a beaucoup insisté sur les orphelins. Mm-hmm. Donc, quand on dit que ça, c'est un bien des orphelins, mm-hmm. il ne faut jamais s'approprier jamais. De oui, ça pour dire... Mm-hmm. Ça, on a compris. Mais il y a une pratique souvent chez nous où on voit, les après la mort d'un défunt, les femmes que le défunt a laissées, que certaines familles veulent intégrer un peu dans l'héritage, qui disent que non, peut-être les enfants vont épouser les femmes laissées, ou bien un membre de la famille va forcément épouser cette femme laissée par les veuves. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique? C'est une pratique qui, l'islam n'a pas recommandé de forcer une veuve à l'épouser. Ok. C'est pas obligatoire que après avoir laissé les dames là ou bien les femmes là, oui. quelqu'un de la famille doit obligatoirement forcer la femme à l'épouser. D'accord. C'est donc les femmes là ne font pas forcément partie de l'héritage. On ne parle la femme ne fait pas partie pas de l'héritage mais pas des biens. Les biens de l'héritage okay, parce que les gens pensent que la femme aussi fait partie des biens laissés comme héritage. D'accord. OK. Voilà. Oui, et c'est ça que le saint prophète Mohammed sallam a interdit. Okay. A dit que non, la femme a droit aussi à l'héritage elle-même. Elle a droit à l'héritage. Mm-hmm. Et de deux, on ne doit pas l'épouser avec force. Mm-hmm. On ne doit pas s'imposer pour mm-hmm. dire parce qu'on veut s'accaparer des biens de son mari. Mm-hmm. Okay. Donc c'est une politique pour passer par derrière. Passer okay, d'accord, okay. Donc l'islam a interdit ça. La femme peut se prendre son nouveau mari. Mm-hmm. Ça peut être dans la famille, mm-hmm. tout comme ça peut être ailleurs. En dehors de la famille. Elle est libre en fait. Elle est libre de faire. D'épouser une d'accord. autre. D'accord, c'est bien compris. Oui. Monsieur Sab, qu'est-ce que vous. Oui, il nous reste 3 minutes, oui. C'est juste pour apporter le verset qui dit ça. Allah a dit dans le Saint-Coran, chapitre 4, verset 20. A'ouzbillahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô vous qui croyez, il ne vous est pas permis d'hériter des femmes contre les gré. Oh, c'est clair. Voilà. Hein? Okay. Il dit. Et après ça, Allah dit, vous ne devez pas non plus les retenir injustement de force afin de pouvoir les dérober une partie de ce que vous leur avez donné. Okay, à moins qu'elles ne se soient rendues coupables d'un acte d'indécence flagrant. Okay. Vous voyez? D'accord. Donc d'accord. Ça, c'est ce qui est clair. Dieu a vraiment pris les dispositions pour protéger les femmes. Les femmes nous sommes à la fin de l'émission. Faut conclure. Une minute chacun, il ne nous reste que 2 minutes. Qu'est-ce que nous allons retenir sur ce problème de... Parce que c'est un problème suffisamment vaste, peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus aussi. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire de façon ramassée pour finir cette émission? Ce que je peux dire est que il faut noter que quand on parle de l'héritage, ayons le sentiment, le partage d'amour qu'on avait avec cette personne-là qui est décédée. Pensons toujours qu'il est toujours là avec nous. Si quelqu'un prend la responsabilité de dire « Je vais gérer ces biens-là après qu'il est parti », il n'a qu'à les gérer avec fidélité, honnêteté et avec la crainte de Dieu. La Jamaat islamique Ahmadiyya a déjà mis sur place, c'est-à-dire un comité qu'on appelle d'ailleurs le Kazi. Maintenant, si vous ne vous entendez pas sur ces points, vous allez vous référer maintenant, à l'imam du temps, c'est-à-dire le calife qui est là, maintenant, il balance ça dans ce bureau qui va étudier votre dossier. Et là, il y a toujours la compréhension, il y a toujours la paix, il y a toujours l'harmonie. Ils vont trancher et vous allez voir que, franchement, il y a l'esprit de la fraternité. Et tout le monde, à divers niveaux, accepte facilement. Hein? Donc, c'est une organisation, c'est-à-dire, c'est une Jamaat qui a été mise en place merci, par Allah lui-même. Exactement. Donc, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup. Merci pour la participation. Exactement. Mesdames et messieurs, nous sommes enfin à la
à la fin de cette émission. J'espère que vous avez bien aimé. Nous vous revenons très très bientôt pour un autre numéro de l'Aube Nouvelle, de l'Aube Naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ila 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 ila